4 Wilkinson, qui nous rejoint et qui lui reconnaît avec les coureurs de la formation de position, que ce soit avec l'ancien champion de Bretagne, champion de France, le sprint qui est lancé de très loin avec un Clément Bobé qui va s'imposer. Le voilà, Clément Bobé, superbe. Deuxième position, Nicolas David. Ensuite, il était battu, que ce soit l'un des représentants qui est ici en dépôt, l'un des coureurs de la Super, deuxième sur le rang Zébrode. Mesdames, Messieurs, Clément Bobé qui a nous rejoint. À nos côtés, Madame Cécile Gagnon, remise des fleurs pour la qui a été fait. Avec les deux parrains également, que ce soit d'une part avec Yves Leroux et d'autre part avec Jacques Botrel, l'ancien champion du monde sur le circuit de Saint-Sébastien. De nouveaux applaudissements qui leur sont destinés. Merci. Je te disais tout à l'heure, quand tu es monté sur le podium, on n'est pas chauvin quand on est sur un podium en tant que US speaker, mais ça me fait plaisir parce que souvent je t'ai vu à la deuxième place, deuxième notamment sur les hauteurs de la vallée du Tréoré pour le Manche Océan, deuxième sur la Sport Braise, deuxième encore, je t'ai présenté à Saint-Malo, ça fait quelques jours de cela, deuxième sur le Rance Emeraude. Il manquait cette grande victoire sur la route. Ouais, je suis souvent battu, il y a souvent un gars devant, j'arrive souvent à régler les sprints derrière. Là, aujourd'hui, j'ai vu que ça se goupillait vraiment bien dans le final, alors je me suis dit, c'est une arrivée, il faut avoir de la vitesse, et voilà, ça a payé, quoi. Ça a payé, pour autant, tu étais isolé parce que tu étais le seul coureur du vélo club du pays de l'Oudéac, ça n'a pas été un handicap pour autant? Un petit peu, fallait courir sur tous les coureurs qui partaient, donc fallait bien choisir ses coups, et voilà, ça s'est bien fait. Merci à lui, à David Boudville. On sera cette fois-ci avec Harmonie Mutuelle, tout comme également avec la Manmut. Des remerciements à Yannick Bosson, on a remercié également à ses côtés, puisque nous sommes avec Michel Zimmer, victorieux également sur la route de Nantes-Segré. On va voir très rapidement son sentiment, Philippe Lecoq, Freddy Guérin, c'est bon pour les photos, Nicolas également. Alors le sentiment de celui qui a le maillot blanc sur les épaules, comment ça s'est passé cette quatrième étape en règle générale, s'il te plaît? On savait qu'en début de course, ça allait être compliqué pour garder le maillot, et aujourd'hui, je veux dire, tout s'est bien goupillé dans la course. Après, sur la fin, je ressors avec un coup de 10-15, et c'était ce qui pouvait m'arriver de mieux, qu'on ne s'attaque pas trop et qu'on essaye de tous rouler pour la victoire.